Bonjour Laurette. Bonjour. Tu es née où et quand ? Je suis née un certain 2 février et je suis Aquarius, je suis Verseau. Quel est ton vrai nom ? Mon vrai nom, c'est Laurette Ngoma. Et pourquoi on t'appelle La Perle ? La Perle, c'est mon nom de scène. Mon manager, producteur de l'époque, il me fait une vraie perle de la musique. Laurette, la perle de la musique congolaise, africaine. Es-tu mariée ? As-tu des enfants ? Je suis pas encore mariée, j'ai pas non plus d'enfants. Je trouve que le mariage, c'est carrément une prison. Je préfère me concentrer vraiment sur ma carrière. Et tu chantes depuis quand ? Je chante depuis mon enfance. Que représente la musique pour toi ? La musique, pour moi, c'est une passion. C'est plus fort que moi. Aujourd'hui, je dirais la musique représente pour moi. En même temps, c'est ma passion et en même temps, c'est mon travail. Tu es chanteuse, mannequin et femme d'affaires. Si tu dois faire un choix, ça sera... Ok, voilà. Si je dois dire en un mot, je suis chanteuse. Pourquoi ? Plus on grandit dans la chose, on a envie de s'améliorer, et on découvre pas mal. Un style vestimentaire décent au début de ta carrière. Au fil des temps, tu es devenue ultra sexy. Pourquoi ? Ok. Pour moi, être sexy, c'est être féminine. Et surtout que je chante l'amour. C'est là que je sors mon talent artistique. Chaque chanson pour moi raconte une histoire. Et donc, je me mets dans la peau de cette histoire. Si c'est une chanson sensuelle, une chanson d'amour, j'hésite pas d'être sexy, j'hésite pas d'être sensuelle. Le plus important, c'est quand c'est beau à voir et quand c'est pas vulgaire. Pour une artiste, faut-il être sexy pour mieux attirer les regards ? Être sexy, avant tout, c'est vraiment une question de personnalité. Je pense pas qu'il faut être forcément sexy pour attirer l'attention, bien que le public, ils adorent ça. Il faut arriver à être accepté, à être reconnu par ton talent. Mais non, après, si t'es du style sexy ou quoi que ce soit, il y en a qui aiment, il y en a qui s'en foutent. Tu poses souvent en laissant transparaître une image de sublime guerrière. C'est ce qui te définit ? Et à la Barbie Bandit. Ça fait partie de ma personnalité. Je parais mignonne, oui, super vulnérable, mais j'ai un côté rebelle. Mais je suis super gentille, je suis pas du style à me laisser faire. Je calcule pas ce que ça renvoie, c'est moi. La rumba urbaine, peut-on dire que c'est ta créa, ton identité ? Oui, la rumba urbaine, c'est ma création. Pourquoi rumba urbaine ? C'est un cocktail au fait de notre musique à la base, qui est la rumba, avec la musique urbaine. R&B, hip-hop, maintenant c'est l'afrobeat, tous les styles qui naissent là, avec le mélange de la rumba, c'est ce qui fait ma musique. Tu es à moi, je suis à toi, un amour à deux. Certaines de tes chansons te permettent de régler tes comptes avec les hommes ? Alors, dans mes chansons, je règle pas les comptes avec les hommes, non. Hein. C'est-à-dire, je chante du vécu, pas par rapport à moi, mais par rapport à ce qu'on voit dans la société. C'est de comme ça que je m'inspire. Des titres comme Sans Retour, Gigolo et tout récemment Bad Girl, c'est vraiment du vécu ou ça reste de la fiction ? Des chansons comme Gigolo, Bad Girl, Sur Mesure. C'est de la fiction, on s'inspire de la société. Quelle est ta cible prioritaire ? Les femmes, les jeunes filles, les hommes, les jeunes garçons ? Tu vises qui ? Ma première cible, je dirais, c'est les femmes. J'ai toujours chanté en faveur de femmes. J'ai toujours dénoncé certaines choses. J'ai toujours défendu les femmes. Après, je dirais, c'est tout le monde. Que ce soit les femmes, les hommes, les enfants. D'ailleurs, j'ai beaucoup de fans qui sont vraiment les enfants. Ma musique, c'est vraiment pour tous. Brown Touch Music, il s'est passé quoi ? C'est juste que le contrat avait pris fin. On n'a pas eu l'occasion de renouveler encore le contrat. Chacun avait son projet personnel. Pourquoi apparaissait-il souvent dans tes clips ? C'était ton souhait ? Je pense que c'était vraiment quelque chose de spontané. Hein. On ne calculait pas qui sera dans le clip ou pas. Rien n'était calculé. Quelle est ta plus grande réussite dans la musique ? Ma plus grande réussite, c'est de pouvoir faire le tour du monde et de découvrir chaque culture et tout. Et ça, c'était un rêve. Je rêvais en train de chanter devant la foule. Et ton plus grand regret ?
Alors, mon plus grand regret dans la musique chez moi au pays, c'est-à-dire quand on parle de la musique, c'est vraiment on voit plus les hommes que les femmes. La musique féminine n'est pas très 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 acceptée. MTV Music Awards, ça a été une grande déception pour toi ? MTV Music Awards n'a pas été une déception pour moi. Au contraire, ça a été parmi mes grands succès. Le fait déjà d'être nominée, ça veut dire que j'ai été vue. Ça a été quelque chose qui a marqué ma carrière. Ta maman Germaine n'est plus. Elle était ton plus grand soutien ? Oui. Ma mère, elle était tout pour moi. Ma mère, c'était mon plus grand amour. C'est ma force. Cette envie de se battre-là, je le faisais pour elle. Tu as chanté « Immortel » pour elle. Est-ce le plus bel hommage qu'elle aurait souhaité ? Je pense que « Immortel », je le devais bien. Je ne pouvais pas faire continuer ma carrière sans pour autant rendre hommage. C'est ça qui m'a permis d'avancer. Elle l'a mérité et je le devais bien, quoi. Voilà, l'immortaliser, crier tout haut. Et ça me fait plaisir quand je vois des grandes chaînes au niveau international, quand ils jouent Immortel. Et moi, c'est une fierté. Je dis, ah, aujourd'hui, maman Germaine, voilà. Quand on parle de maman Germaine, je dis, ah, c'est ma maman. 2015, une année où tu as le vent en poupe. Penses-tu que depuis le temps, la musique a évolué ? Ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup de styles, il y a beaucoup de styles qui naissent et faut être dans le game. Follow Me, est-ce pour toi la meilleure de ta carrière ? Follow Me, ouais, ça a été parmi les tops de ma carrière. Tour de garde. Follow me to Kinshasa, we gonna speak Lingala. Follow me to Abidjan, if you wanna be my lover. Le plus top de ma carrière, il y a Sans Retour. C'est cette chanson qui m'a propulsée au grand public. C'est ça le commencement. Et si vraiment je dois faire mon bilan, il y a Sans Retour, il y a Terminus, il y a Twist aussi. Voilà, ça c'est le top 3. Quel est ton passe-temps favori ? En dehors de la musique, mon passe-temps favori, c'est la lecture. J'adore lire. Ta série ou ton film préféré ? Ma série préférée, c'est You. C'est une série signée Netflix. And Sex and Life. Ton actrice ou acteur préféré ? Mon acteur préféré, c'est Brad Pitt. Brad Pitt, le meilleur de tous les temps. Ton plat préféré ? Mon plat préféré, c'est le riz et le pondu. Oh my god, I like. J'adore le pondu. Je peux le manger tous les jours, les feuilles de manioc. Entre les Maldives et les Bahamas, tu t'imagines ? Définitivement Maldives, ouais. Entre twerker et Muntuashi, tu préfères ? Bon, j'adore le twerk. Oh my god. Mais je préfère Muntuashi, c'est encore beaucoup plus sensuel. Je ne sais pas danser Muntuashi. J'adore, c'est waouh. Entre Mpongo Love et Mbilia Bell, la plus belle voix c'est... Mbilia Bell. Mais Mpongo Love chantait trop bien aussi. J'aime sa chanson Bakake. Namo kilinga ila kapa mingi elelo bafuti ngali futa ya pundae. Entre Cindy et MG, tu écoutes plus ? Je dirais c'est plutôt moi. Entre, je dirais plutôt la perle, quoi. C'est plutôt la perle. Entre Fally et Ferré, tu écoutes plus ? J'écoute tout le monde. J'écoute du Fally, j'écoute du Ferré, les deux. Entre le chic, le choc et le chèque, tu préfères ? Je dirais chic et choc. Voilà, chic, choc, j'aime. Laurette, connais-tu le principe de cette émission ? À vrai dire, non. Mais tout ce que je sais, j'adore cette émission, j'adore le concept, ça se démarque. Tu vas nous apprendre un proverbe ou une citation célèbre et nous en donner l'explication. C'est un dicton, le chien aboie, la caravane passe. Ça, c'est vraiment mon truc. Ça veut dire, je suis du genre, les gens peuvent parler, les gens peuvent raconter, les gens peuvent ceci, cela. Et moi, je fais pas attention à ce que les gens peuvent dire de moi, donc voilà, ou peuvent raconter sur moi. Tant que je connais la vérité, tant que je sais qui je suis, je passe. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci Laurette d'avoir accepté de répondre aux questions d'entrevue. Merci à vous, bijoux, Sinald, à toute l'équipe pour cette belle émission. Merci aussi Sheina Okunga qui nous a mis en relais. Et merci pour cette invitation. Je vous fais de gros bisous.
Et pour ne rien rater de nos prochaines entrevues, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche.